pas qu'à jouer encore. Nous pas qu'à entendre nous. Et je dis, seul bagage qui a mis en dehors, son dépassement de tout ça, yo, son yon entente. Ouais. Alors, m'passe tout. Et c'est lui qui a pris dans le débat. Et c'est lui, je dis, qui fait que nous venons nous compte que c'est conviction qui a fait nous aller vers le changement. Et ça fait nous dire que conviction pour changement, c'est médias qui capotent. Donc, c'est des hommes et des femmes de médias qui capotent. Conviction pour changement. Ouais. Conviction pour changement pour question de parti politique. Quelle que soit la personne, depuis que ou c'est haïtien, ou c'est citoyen haïtien, ou pas capable de conviction. Ou pas obligé de parti politique pour une conviction, non? Paysan qui a conviction, qui a bouté ça, c'était pas lié, faut qu'il travaille. Pour le bail manger, pour le calvin, pour le capable faire éducation petit lit. On gagne une conviction, oui. Je dis à ce vaudou. C'est vaudou, ils sont liés. C'est loi pour le servir. Faut qu'il lève le matin pour jeter café, jeter de l'eau. C'est conviction. Pasteur a une conviction. Et que vous grain de mon Dieu, c'est bon Dieu l'a servi. Donc faut qu'il baisse et fidèle donc l'évangile là. Père a une conviction. Conviction Vatican, l'église catholique. Donc ou conviction que moun sont pas ou conviction sont pas conviction donc de vous parlez de conviction ou parlez de moun et je dis justement nous pas qu'à faire payer sans moun et c'est moun qui qu'à faire payer donc de vous c'est moun ou pas qu'à pas de conviction depuis c'est conviction pas une question parti politique madame monsieur je dis regardez qui parti politique qui a été payé dans allié là qui parti politique qui capable retirer payé dans allié là aucun parti politique parce que là de fait pas aucun parti politique là, je dis à qui qui contrôle le pays. Oui, oui, essayez. Vous essayez pendant combien de temps? Ok? Pendant 4 ans, vous faites, et de fait, vous bouquez, fait l'orbeille, vous quittez l'autre étranger qui sort de l'autre côté, qui vient tuer le président. Claire. Et si vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous dit si vous êtes capable de tuer le président? Mais, parce que, non. Nous avons une douette, en pile de douette, dans l'équité dans la rue, dans l'amour président. Mon avoué est monté. Même pas une douette nèg qui n'a pas de parti politique. Oui, mais quand même, mais quand pile la doc suspect. Oui, il y a la doc suspect. Quand pile la doc suspect, mon frère. Le comportement, yo. La prise de position antérieure, yo. Ok. La déclaration antérieure qu'on a fait. Ok. Menace qu'on a fait. Déclaration antérieure qu'on a fait. Menace qu'on a fait. Ça pas joué en faveur. Ok, ça pas joué en faveur. Et la justice par la main de eux. Correct. Vous connaissez. Ah oui, c'est clair. Et je dis on parle suspect, madame monsieur. Il va la main de eux. Donc ça veut dire, madame monsieur, gardez bien ta pays. Et je pense que et Baudelaire César dit là, je pense que son bel bagaille. Eh ben. Pendant nous, aux yeux du monde là, nous sous plateau, toute télévision dans le monde là, c'est moment, oui. Le plus c'est moment pour nous tout profiter, oui. Pour expliquer le monde. Correct. Ça, et ça, ça fait nous passer. Parce ça, oui. Que pour ne pas mettre à culpabiliser, nous sommes pas capables. La France, États-Unis, Canada. Parce que. Ça qui a passé là, monsieur, c'est pas nous seulement qui mettons. Ils ont utilisé nous comment pour nous mettre en côté de nous. Mais on profite parce que le monde là a dit nous sommes un peuple barbare, nous sommes un peuple qui sait. Alors, ouais, les États-Unis encore capable de pas venir à Haïti parce qu'il y a un crime, parce qu'il y a un kidnapping, parce qu'il y a tout le bagaille. Mais pour occuper espace pouvoir, je me rappelle, au lendemain du décès du président, de l'assassinat du président. L'ambassadrice américaine, Madame Sisson, a appelé le directeur général de la police nationale, Monsieur Léon Charles, comme Moulki et Tavel, comme Tim Moulki et Tavel, dit le campé va à Joseph Lambert. Et ça que tu as dit, excusez-moi pour vous le dire, Josué Alexino, ce matin, je suis obligé de taper sur la main de Monsieur Lionel Valbrun, qui a accepté le fait que Monsieur Joseph Lambert, co-dépositaire de la souveraineté nationale, pas qu'à prêter serment et installer un palais national. Non, ça t'a fait la tête groupe qui est Lionel. Mais comment tu comprends, non? Ça t'a fait la tête déplacer Lionel. Mais non! Ça t'a fait en bas et non, jour où Joseph Lambert, t'as pas le prêter serment. Normalement, il t'a dépassé ni le directeur général de la police là, ni Lionel Valbrun. Il t'a dépassé Mounsa et Zayou César. Mais c'est l'ambassadrice américaine qui a campé lui. Et moi, je dis ça. Ambassadrice américaine, Madame Sisson a appelé et je dis là, même ambassade américaine ça, même ambassade américaine ça, même les États-Unis ça, crampé, yo pas voulu aucun avion sorti ni États-Unis, ni sorti Haïti pour entrer aux États-Unis. Nous sommes niveau 4, mon cher. À l'être niveau rouge, 4. Niveau 4. Haïti. Et puis, encore, ça de quoi? Alors, quoi écoutez, madame, monsieur, écoutez, madame, monsieur. Émission aujourd'hui, 20 octobre 2021.
m'ta remè nous prendre comme une émission de référence pour l'émission Matin Débat. Parce que justement, nous faisons pile l'émission qui c'est une grosse émission, donc dans Matin Débat. Mais je dis, m'ta remè nous prendre ça comme une émission de référence. Parce que m'y a parole que m'a parlé avec nous, je dis. Pas aucun parti politique, je dis, qui a retiré le pays dans ce lieu-là. Aucun parti politique. Pas aucun secteur à lui seul qui a retiré le pays là dans sa lieu là, je veux dire, madame, monsieur. Trop orgueil. Trop orgueil. Okay, parce que, il y a trop ego. Ok. Il y a eu l'autre. Parce que, il y a trop ego. Seul jeu pour nous sortir dans sa lieu là, c'est une entente nationale, c'est un consensus national. Pas aucun nous pas boire. D'ailleurs, avant, je vais me dire. Nous bouquet dit et nous-mêmes nous rendons compte de ça et tout le monde conscient, tout haïtien conscient. Que pas aucun monde sur la terre, pas aucun pays sur la terre qui a vu une fin pour Haïti là. Blanc pas gagné la vie de Glebo là. Je dis à nous une nation que nous créons, que nous construisons au prix du sang de nos héros à partir du 1er janvier 1804. Et depuis le Sahara, nous t'as supposé mettre tête ça, mettre pays ça, mettre tête pas nous. Malheureusement, après l'assassinat de l'empereur, et puis c'est la division qui s'est donc installée. Et depuis le Sahara, madame, monsieur, nous avons nous. Et puis blanc vient installer dans le temps. Et ça qui a passé là, je dis là, écoutez, moi, toujours dit dans l'émission Matin Débat, derrière chaque mal, gagne un bien. Et derrière chaque bien, gagne un mal. Si tout haïtien, je dis là, nous camper pays, nous dit que monsieur Mouché Blanc font ti camper dehors pour moi. Nous pas besoin mettre pied là. Font ti camper dehors pour moi s'il vous plaît. Et puis nous entendons nous et puis nous gérer pays nous. Là nous fin entendre nous sous qui pays que nous voulons. Et puis là ça nous dit monsieur Blanc comme Haïti pas capable vivre non vase clos. Tenant compte de toutes conventions qui gagnent eh ben vini, vin garder ça nous-mêmes nous entendons nous qui j'en va rentrer là. Mais quel type de relation? Mais quel type de relation que vous voulez gagner à faire? OK José. Madame monsieur. Mais quel type de relation que moi voulez gagner à faire? Yeah. On va rien pour imposer. OK. Ouais, c'est ça. Nous tout saluer Jocelyn Privé. C'est pas c'est pour élection seulement. Élection seulement. Ouais, nous saluer Jocelyn. Pour élection seulement. Et américain t'es arrogant. Yeah. Je te fais arrogant sur face à Jocelyn River. Je dis pas bail l'argent. Jocelyn River dit blanc qui demet les bouts d'alou pas bail l'argent. N'a 25 millions de dollars dans le pays. Correct. Et joigni. Elle déjoigni madame. Grapier, il joigni. Et je dis assez ça nous besoin dans le pays. Je dis nous besoin que nous entendons nous quand entendons nous sur pays. Haïti c'est pour nous toutes. Qui tout est où jouté noir, tout nègre ou nègre bas, nègre province, nègre Port-au-Prince, nègre tout côté. Ou c'est nègre dans diaspora, femme dans diaspora, Haïti c'est pour nous toutes. Nous sommes en besoin que nous entendons nous aujourd'hui en tant qu'Haïtiens, sous qui pays que nous voulons, et ceci sans égo, sans coquin, et puis ensuite pour nous dire blanc, écoutez, nous-mêmes Haïtiens, mais tant que nous sommes prêts pour nous entendre nous, mais sous qui ça que nous entendons nous, ou même venir qu'on y a, mais comment nous allons collaborer, avoir un point très. Madame, monsieur, écoutez, toute vérité des fois n'est pas bonne à dire. Mais écoutez, donc, au stade où est aujourd'hui l'émission Matin Débat, nous pas capable de vérité, hein, parce que vérité à la poubaille. Deux plus gros ennemis naturels haïtiens, ce sont les États-Unis d'Amérique et la République Dominicaine. Ma brevité pour nous. Et m'a montré nous qui gens que les Américains, les États-Unis d'Amérique et la République Dominicaine, c'est de plus gros ennemis naturels de pays d'Haïti. On va l'expliquer. Ou correct. Ah. Ou correct. Après ça, on connaît nous sous net là. Nous allons nous faire sortir bagaille. En fait, gardez-nous. Oui, c'est cela. Et puis c'est nous qui désir. En fait, gardez-nous. Nous sommes Matin Débat. Et m'a été tesmoi là. Oui. M'a été tesmoi là. Et matin, deux pigo ennemis naturels. Moi dis oui, ennemis naturels. Elle dit que quitte nous devle, quitte nous pas devle,
Donc États-Unis d'Amérique et République Dominicaine a toujours été deux ennemis de la République d'Haïti. Deux ennemis naturels de la République d'Haïti. Et je m'explique. La République Dominicaine, c'est normal, c'est droit par yo. Pour ambition yo, c'est occuper Haïti pour l'île là gagner une seule administration et que c'est eux-mêmes qui ont l'île. Et c'est normal. Parce que jusqu'à présent, ils ont un goût amer de occupation haïtienne de la République Dominicaine pendant 25 ans. Et je dis à tout, politique, mauvaise politique politicien en Haïti, vient faire que je dis à Haïti, il vient son poids pour la République Dominicaine. Donc, dans quatre démarches, plusieurs secteurs dominicains, pour yota occuper Haïti, ya, tout en tant que Haïti en situation difficile, li vin pi bon pour la République Dominicaine. D'ailleurs, ouais, en plusieurs fois, c'est le président dominicain, bah mettons non soulino, semaine ça c'est Luis Abinader. Mm-hmm. Mais avant Luis Abinader, t'es toujours gagné des présidents dominicains ouais qui a marché sur le plan international, qui a frappé toute porte pour Haïti. Et alors, par contre, sin qu'a ajouté la France là parce que question météo de yo arrête dans tête yo pas oublier nous. Bon, la France pas tellement gros problème parce que la France comme dit gagne problème pas tout lui-même. Ouais. Mais je dis à m'a parler en termes de et sur le plan géographique, en termes de proximité. De proximité. Yeah. Ok? République Dominicaine, tout en tant que Haïti pas stable, et ce qui est tout à fait normal, madame, monsieur, qui est tout à fait normal. Sot qui baille, imbécile qui va prendre. Tout en tant que Haïti pas stable, il est plus bon pour la République Dominicaine. Donc tout en tant que la République Dominicaine capable de déstabiliser Haïti, chaque fois que le gars chance pour faire, la fait. Chaque fois où vingt barrières pour le vin fell, la okay. Profiter pour le faire. La profiter pour le faire. Parce que madame, monsieur, je dis, qui intérêt pour Dominicain hein, pour Haïti t'a développé pour le t'a dépassé Dominicani. Nous étions la perle des Antilles. On se le rappelle. Donc c'est un ennemi naturel. Ennemi naturel, la Pavle dit que le pape mange avant, que le pape boit avant, que le pape domine même gabon avant, non? Est-ce que là? Yeah. Mais c'est un ennemi naturel. Parce que Dominique n'est pas j'aime la question Haïti même. D'ailleurs, comme je dis là, Américain pas contre les amis. Ok? Dominique n'est pas j'aime la question Haïti même. Donc c'est un ennemi naturel pour Haïti. Oui. Maintenant, mon gars fait politique dans le pays là, malheureusement. Madame, monsieur, qu'on veut vous parler, ouais, François Duvalier. Yeah. Le jour où on lit dans la dimension de François Duvalier. Grand homme. Et François Duvalier, c'est le pas de dimension de leader. Pour te comprendre politique, géopolitique là, sur le plan international, surtout au niveau de la Caraïbe, il va le faire tout le temps ça. Oh. Il t'est joué sous des tableaux entre le communisme et le capitalisme. Et François Duvalier, tu es un chef secret qui t'est infiltré dans le République Dominicaine. Il faut nous comprendre, madame, monsieur, il faut nous comprendre. Il étudie États-Unis d'Amérique. Laisse-moi pouvoir, il y a fait mine, il n'y a pas d'intention encore. C'est-à-dire que nous pouvons gagner une dimension de leader ça yo, oui. Qui vous a fait face carré face à la République Dominicaine. Et ça fait que je tiens là, nous, à genoux, face à la République Dominicaine, madame, monsieur. Et la République Dominicaine a marché sur nous. Et pour se relever, okay? Il nous faut beaucoup de temps. Attendez, mon frère. Une bonne planification, comme on a fait le matin là. Comme on a fait le matin là, madame, monsieur. C'est la raison pour laquelle je dis que l'émission matin de aujourd'hui, c'est une référence. Pour qui ça, États-Unis d'Amérique, c'est un ennemi naturel pour Haïti. Je vais vous dire pourquoi. Madame, monsieur, les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Pour qui ça? Première puissance mondiale, là, mettez projecteur. Chaque fois que vous parlez mal, c'est de Haïti. Vous parlez mal. Eh bien, non, pas en plus. Haïti c'est pays qui pis pauvre sous la terre. Donc tu as dit c'est pi petit puissance. Oui. Elle dit États-Unis c'est pi gros puissance. Haïti c'est pi petit. Elle dit Haïti pas mon puissance même Haïti c'est pays qui pi mal là. OK dans chaîne. Faut toujours papier aigle là. Donc pendant monsieur, est-ce que ne pas États-Unis d'Amérique. Tout focus lui, tout target lui. Mis à part pays Moyen-Orient, bataille la boumé avec la Chine, avec le Japon, ou pas
Haïti elle pas jamais lâché l'omaï. Il a gon avec il va gon avec et la Chine non. Est-ce que vous comprenez? Gros pays ça, avec non. Est-ce que États-Unis jamais lâché Haïti l'omaï? L'ombre puissance. OK? À travers son président qui c'est Donald Trump. Campé. Il dit que Haïti on seul matin et me pas connait dans moment Haïti essayer Haïti de problème avec Donald Trump. Jamais. Les Donald Trump te fait déclaration, madame, monsieur. Je vais te voter pour vous. Est-ce que Haïti a des problèmes avec les États-Unis? Est-ce que tu as un problème quelconque contre dossier que Haïti n'est pas capable de gérer? Non. Son Green Martin bloque tout pour entendre que Donald Trump fait une déclaration. Sous pays, il dit qu'il pi mal là sous la terre, il traite pays de chétrole. On a dit ça. Pour qui ça? Pi gros pays. Il toujours à mettre un projecteur sur le pays qui pi mal là. Madame, monsieur, ou même qui c'est haïtien, faut pas prendre mal non. C'est parce que justement, ou vaut quelque chose. Parce que si ou pas vaut quelque chose, pour qui ça? Il y a un monde qui pi mebaso, à pokipo, à parler mal, à faire moun pour. Est-ce que nous comprenons nous haïtiens? Parce qu'on vaut. Parce qu'on ou vaut yon bagay. C'est parce que où vont bagaille, madame, monsieur. Peuple ici calé chez nous. Vous pouvez tourner une des bails nous là. Madame, monsieur, citoyen haïtien, haïtienne de la République d'Haïti, en Haïti également au niveau de la diaspora haïtienne. Pour qui ça, États-Unis, a target Haïti comme ça? Pour qui ça, président américain Donald Trump? Pas trop longtemps là, ils font déclaration. Dans le moment où que tout migrant, toute qualité nation débarque aux États-Unis, et puis c'est à soi ici qu'ils mettent le projecteur, et que Haïtien porte sida, ça va gagner longtemps. Pour que ça que États-Unis, première puissance mondiale là, toujours à mettre le projecteur sur Haïti, vient faire que la presse internationale, toujours à garder Haïti. Pour qui ça? Peuple haïtien calé jeune parce que nous voyons bagay. Parce que si nous ne voyons bagay, pour qu'ils soient prêts à puissance, à perdre du temps. À parler de où? À parler de où? Ils ont pas voyé. Ouais, sous mango vert, c'est sous mango mûr. Mes amis, nous tous là qui sommes haïtiens, mes amis, calés chez nous. Il y a un monde qui n'est pas important pour vous. On va prendre. Est-ce qu'on prend les haïtiens là? On va parler de lui, jamais. José Lexidor, il y a un monde qui n'est pas important pour vous. On va même occuper le monde, il va exister, il va exister. Madame, monsieur! Peuple haïtien, haïtien qui est en Haïti, qui est dans la diaspora, calé chez nous. Pour qui c'est aux États-Unis? Toute la journée, sur question Haïti. Pour qui c'est aux États-Unis, dans le plus haut niveau de l'administration américaine, le président fait des déclarations discriminatoires, des déclarations racistes contre haïtiens. Nous ne sommes pas le pays sur la terre. Nous sommes le pays qui est pauvre là. Et puis toute la journée, pays qui pi riche là, pays qui pi grande puissance là, a pas attaqué ti pays ça. Pour qui ça? Madame, monsieur, calé genou. Peuple haïtien, c'est parce que nous voyons bagay. Parce que si nous pas voyons bagay, pays qui pi riche a pas la jambe de temps en temps, a fait des déclarations, a fait des sorties, a fait des outrances. Donc, contre ti peuple ça, pays qu'elle dit. Qui pipe sous la terre. C'est parce que qu'on bagaille que nous que au besoin la caille nous. Pour qui raison? Ouais. Pour qui ça madame monsieur? Pour qui ça? Dis-moi pour qui ça? Pour qui ça y a un monde qui pas important pour vous? Pour toute la journée? Tout en well. Tout en well. Ça le fait net. Oui. Ou essayez de vous mettre sous de temps en temps on lève niveau, on dit monde pas venir la caille, alors que vous même toujours là. Pour qui ça madame monsieur? Pour qui ça au pays où dit qui pas important pour vous? Ou traiter le shit hole. Madame monsieur, c'est le président américain qui l'a dit. C'est pas c'est mon coup d'âme des Américains non? Regardez ouais. Non pas immigrant avant hier là vous hein. Vous pas qu'être l'autre nation. Je dis c'est haïtien même qui a pas de sida. Même Donald Trump ça. Yo ancien président américain ouais. Madame ouais. Monsieur. C'est bon citoyen quelconque des États-Unis non? C'est le président américain même personnellement qui traitait pays que le dit qui pauvre là de choukaka. Non moment côté que Haïti va que aucun bol aux États-Unis. Pas de aucun problème dossier. Son Green Martin, le monde noir attendait go Donald Trump attaqué pays qui pauvre là. Et puis qu'on y a où est toute la presse internationale ramassée ça le dit et puis puis avili Haïti. Mes amis pour qui ça? Peuple haïtien calé genou. Son campagne mondiale qu'a fait
OK? A attaquer pays li di ki pi pauvre là sous la terre. Logiquement, yon moun ki pa important pour madame monsieur. Mag. Ça le fait pas important pour réseau. Ouais. Ça fait pas important pour moi. Existence ou pas important pour moi. C'est parce que madame monsieur nous vaut quelque chose. Parce que nous vaut quelque chose. En termes de parler avec nous. C'est parce que nous vaut quelque chose. Eh bien, laissez-moi vous dire. Ce que les États-Unis sont donc en train de faire, les Américains sont en train de créer ce qu'on appelle l'haïtianophobie. L'haïtianophobie. Et jodia, il y a des États, il y a des nations, il y a des pays haïtianophobes. Vous avez dit qu'il y a haïtianophobie, hein? Tout côté basse pas les wow. De vous pas son côté là ou mais danger. Est-ce que ne pas ça? Est-ce que ne pas ça? États-Unis d'Amérique parce que président États-Unis en parlait d'Haïti. Il vient créer dans le monde entier ce qu'on appelle l'haïtianophobie. Tout côté haïtien passé on dit ouais mais haïtien tout côté là ouais. Yo haïtien ça va passer là gars. Ouais haïtien yo tout le président. Tout le président. Ouais. Donc vous venez jouer qu'il y a des états haïtianophobes. Gede des états, gede des pays qui vivent naturellement. Donc, pas vle ouais haïtien. Parce que si première puissance là, pas vle ouais haïtien, si première puissance là, traite haïtien de chitrol. Yo pas grand qu'un intérêt pour yore mon. Comment bien? Si première puissance là, chaque minute, li pas jamais pas négliger, li pas jamais négliger traiter haïtien de sa yo paye. Si première puissance mondiale là, de temps en temps, a fait des sorties racistes et discriminatoires contre ce peuple, que lui-même encore lui dit que c'est peuple qui pis pauvre sous la terre. Mais pour que son pays, que l'a soutenu, obligé à garder peuple ça, que l'a traité mal là, comme un peuple qui est sérieux. Donc les États-Unis ont créé ce qu'on appelle l'haïtianophobie. Ok, chez les peuples de cette planète contre les Haïtiens. Et je dis à des États haïtianophobes. De vous arriver là où dit ça, ils sont yé, yon que t'en mettons à l'écart, yon que t'en gardons mal, yon que t'en mettons étiquette sous dos. Madame, monsieur, tout ça, c'est pas un hasard. C'est parce que justement, nous vaut bagaille, c'est parce que nous vaut quelque chose. Qui fait que États-Unis d'Amérique, pas j'aime lâcher son maille, pas gon moment que passe, madame, monsieur, pas gon année que passe, pour pas attendre un dirigeant américain, pour pas attendre un président américain qui va traiter Haïti mal. Et du coup, le mettez projecteur de la presse internationale sur Haïti, et puis qu'on a le monde entier. Abgade haïtien mal, donc la haïtianophobie, et bien quand elle sortit, donc aux États-Unis d'Amérique, madame, monsieur. Mais, fon font tirer à l'air, fon font tirer pour nous garder. Pour qui ça, toute bataille ça? Je vais l'expliquer nous. Pour qui ça, toute bataille ça? Et fait, nous haïtiens, depuis ça, nous sérieux, garder l'Amérique en danger. Parce que c'est parce qu'on voit un bagage qui fait que les États-Unis. Un président américain pas j'aime pas parler haïtien mal. Et parce que nous faut que bon, un monde qui pas sérieux, qui pas important pour vous, pour vous parler le mal. Un monde qui pas important pour toute la journée là dans monde là, là dans monde, bois dans monde, bois dans monde, bois dans monde. Et vous un monde pas important pour vous, pour qui ça? C'est parce que ou important pour lui, parce que ou voit un bagaille. C'est parce que justement faut qu'il mette projecteur sur vous pour le faire paraître l'aide pour toujours monde qui pisse là. Monde qui pas vaut rien. La essayé créer on comme si la fait que ou sous-estimer tout la xénophobie voilà la fait que ou sous-estimer tête tout pas ba tête tout valeur pour dévaloriser tête tout maintenant on voit tout son ba y a fait là tout pour tout le monde parce que ouais chaque année il y a un problème chaque temps il y a un problème nous pas j'aime pas son année pour pas gagner problème dans pays non cher pour pas parler de nous de mal comme si il y a un jeu là pour tout haïtien qui était là parce que ouais ça qu'a fait. Yo te vin te kon bagay Chili avant vin gen Brésil vin kounya la pa gen pays sa yo kounya vin nou créer une condition nan pays pour Haïti pas karete pour au moins pour te akabe. Comment madame monsieur imaginons et richesse akabe Haïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit. Tendez bien madame monsieur. Haïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit. Et qui paye aujourd'hui, tout le temps, dans la question Haïti, qui parle de l'état de droit, renforcement de l'état de droit. De l'état de droit en Haïti, les États-Unis d'Amérique.
Je dis à Binu qui là. Attendez, madame, monsieur, combien de temps Binu qui est dans le pays? Et bien, pour vous dire, oui. Combien de temps Binu qui est dans le pays? Mes derniers classements mondial de l'état des droits. Alors, Haïti, on a donné la donne. Et on a mis sur Binu. C'est renforcé l'état des droits dans le pays, madame, monsieur. Ouais. Et puis, on renouvelle. Et puis, le fait renouveler là. Bon, c'est pour qui ça? Bien, madame, monsieur. Parle bien des de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Combien de temps Binu qui est dans le pays? Mais Haïti dernier classement mondial de l'état de droit. Yon a mis son minu. Depuis l'état de rivière là, c'est renforcer l'état de droit en Haïti. Et la politique des Américains aux Haïtiens, avec Haïti, tout temps ou toujours temps de la bouche, tout officiel américain, président américain, il faut renforcer l'état de droit en Haïti. Et je dis à madame, monsieur, regardez ta pays. Ya. Kidnapping n'a côté sorti. Zam n'a côté sorti. L'argent que vous ramassez dans le cadre kidnapping, côté aller. De quoi nous parlons? Et puis pas un seul jour où vous attendez que un président américain a dénigré Haïti. Le président américain, c'est le président de la plus grande puissance mondiale qui a dénigré le pays que même que lui-même dit le plus pauvre de la planète. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un problème. Pour qui ça États-Unis toute la journée? Là, bois dans le monde d'Haïti. Pour qui ça? Et parce que Haïti est important pour les États-Unis d'Amérique. Haïti est calé chaîne. Pour qui ça? C'est parce que Haïti vaut quelque chose pour les États-Unis. Et puis, maintenant qu'on y a. Et ça fait, madame, monsieur. Où est ça, yo? Si nous ne comprenons pas. Où est-ce que nous ne comprenons pas ça, nous parlons maintenant là? Nous ne pouvons jamais gagner pays. Parce que nous ne pouvons jamais jeune des gens qui ont calé géo, qui ont gardé blanc en danger. Lou, qu'on est ici? Est-ce qu'on va connaître des nègres? Et puis il a parlé fort mal. Oui. Li tombe pas l'off, parle fort mal. Pour quitter le Bali. Li femme n'aibou. Pour quitter le Bali. Li femme n'aibou. Pour quitter le Bali. Ah oui. Après qui est-ce que femme n'aibou? Ok. Et même n'aibou. Et même encore. Eh bien, ça qu'on écrive le logo. Ok. Richesse nous gagne. Bien nous gagne. Nous bagaille. Parce que nous vaut quelque chose, madame, monsieur. Parce que c'est pas normal pour une puissance mondiale là à attaquer pays li dit qui pauvre là sous la terre. Donc dernier pays qui en dernier sous la terre. Toute la journée. Pour qui ça? Et parce que nous faisons bagaille. Parce que si nous faisons bagaille, pour qui ça va bagaille des pays qui pis mal en Afrique? Pour qui ça va bagaille des pays qui pis mal donc dans Amérique là tout? Pour qui ça Haïti? Et parce que nous vaut quelque chose, madame, monsieur. Donc c'est pour nous bailler tête nous valeur. Peuple haïtien, il faut nous garder tête nous dans glace. Pas quitter Amérique qui a dit pas bon. Pas quitter Amérique qui a discriminé. C'est parce que nous voyons bagaille. Et il faut qu'on ait que ou pas bon, qu'on pas vaut rien. Ok, pour qu'on quitte le pays ou. Pour qu'on sente inférieur. Okay? Pour qu'on quitte le pays ou. Pour pas faire effort, pour pas travailler. Et puis, vous avez là, c'est que vous avez là. Vous divisez nous. Ok? Vous divisez nous. Toute classe, tout secteur. Vous divisez nous. Et puis, vous oubliez le pays, vous oubliez tout. Et puis, vous quittez le pays pour aller passer misère de l'autre côté. Je vais vous dire une émission matin, une émission de référence. Correct. Écoutez, madame, monsieur. Tout leader politique, moi invité Bob C, Valérie Numa, Gary Pierre Bochal, Marco Valéné, Campagne de Scoop FM. Tout n'est qu'à parler dans la radio. Nèg ak fòm. Nèg avec fòm k ap pale nan radio. Tout leader politique, jen gas ou jen fòm ki nan politique, al suiv dokumante sa. Erdogan, le sultan ki défi l'Europe. JPPC, Gary Pierre Bochal, Bob C, lan gòn titan pita, monsieur. Al sou YouTube la. Al suiv dokumante sa. Erdogan, le sultan qui défie l'Europe. Pour qui ça m'a demandé nous pour nous suivre, documenter ça, pour nous comprendre, ne qui ça Jovenel Moïse te fou et gel.